Et après, elle m'a alors Auxonne, championnat des clubs, les gamins, bah, on est les derniers, hein, on voit plus de voitures après nous. Là c'est le gros bordel. Bah là, c'est la là, entre l'amorce et la terre sont séparés d'environ 1 km à pied. voilà, donc bon, alors c'est quoi la stratégie, messieurs, aujourd'hui? La stratégie, et eh bah ben, écoute, apparemment on va pas pêcher les ablettes parce que tout le monde les pêche, donc on va leur laisser. Et nous on va essayer de gauler 2-3 gardons sur le fond et éventuellement un chevenne en face. Alors comment on fait pour l'amorce? L'amorce, on a préparé 5 litres de terre, plutôt terre de rivière avec un tout petit peu de terre de somme pour que ça descende bien sans trop fumer. Et on va jeter là-dessus 4 à 5 boules d'amorce diabolique pour aujourd'hui pour essayer de sélectionner les quelques gardons qui traînent dans le canal. D'accord. Après, sur la berge d'en face, pour ceux qui peuvent pêcher à l'anglaise de notre équipe, on va coller un petit peu des gozers, peut-être mettre une boulette de fouillis pour faire un petit attractant pour les gardons parce qu'il y en a aussi sur la berge d'en face. Et on va essayer de gauler un chevenne en face. Parce que les chevennes font entre 5 et 700 points, ils sont assez beaux. Rares mais beaux. Bon, est-ce que la bête est bien dans le truc en osier? Écoute, elle y était encore tout à l'heure, donc j'espère qu'elle est... Ça devrait marcher. Normalement, on devrait mettre une grosse branlée à Colin. On va essayer, Ça marche, à tout à l'heure. Je suis pas très confiant, ça te fait rire, toi. Oui, ça me fait rire, parce que je suis pas très confiant. Vu comment on est c'était la pêche, hein. Putain, bah ça non, devient attends. Dur. Alors, à quoi ça ressemble, les détaillants de pêche? Ouais, ça va. Allez, faites-vous la bise. Faites-vous la bise. Allez-y, il y a personne. Allez-y, faites-vous la bise. Voilà, c'est bien. Allez, c'est parti donc. Avec monsieur Casson à côté de moi. Fils et père. Je sais pas qui c'est qui me surveille le plus, si c'est le fils ou le père. Mais bon. Donc, faut des kits de 4 brins. J'ai monté des victoires, donc des flotteurs qui est inox assez lourd. Donc de 0,20, je pense pas que ça pêchera beaucoup, 0,40, 0,75 et 1,5 g. Et puis quelques cannes à l'anglaise. Voilà. Donc pas le temps d'en dire plus, c'est bientôt parti. Qu'est-ce que c'est ces magouilles dans les voitures? Regarde René, ton copain il est là, Damien il est là. C'est bien branlé ça quand même. Non, c'est parce qu'ils ont peut-être oublié un truc, non? Ils ont pas oublié un chiffre? Là, il n'allait pas te non. Le dire, René. Attends, ah, René. Merde. Ils ont 1200 points de chaque côté. Ouais. T'es un ami? Bah, j'ai peut-être mis un peu trop. Alors, voilà, Chico, la bête de la pêche. Pourquoi tu veux l'homme. Tu veux prendre ma serpillère sur la tête? Alors, il paraît que t'es dompteur de Tantkinkin Tantolera aussi, ouais, toi. Il paraît, ouais. Ouais. Mmh. Donc, la bête, tu sais qu'elle sommeille dans la voiture, là. Hein. Alors, il paraît que t'as un élément de triche dans ton équipe. Ah, j'ai un trait. T'es un anglais? Un anglais, ouais. Bah merde, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Et ça prend des poissons? Ok, il essaye. On m'a dit qu'il était très fort. Et je te signale qu'ils sont premiers, nous deuxièmes. Ouais, mais ils ont pas le temps de kin-kin. Allez, cet après-midi, on va leur mettre une grosse branlée. Égalité. Et René, tu veux que je te dise? Le Colin, jamais il te battra. C'est impossible. Il essaye. Il essaye, hein. Il essaye. Eh, mon petit chéri. Alors, cette maison de retraite, ça t'a fait du bien? J'ai le plus gros numéro, donc il l'a dans le cul. T'as voilà. Le plus gros numéro. Bah ta femme nous a pas dit ça. Bah, oui. Alors est-ce que vous avez pris vos tickets pour la Diabolique TV? Oui. Est-ce que vous êtes des fidèles téléspectateurs? Tout à fait. Bon, ça va. Bien, et après ça diffuse. Et après ça diffuse, oui, c'est le but. Puis ça c'est bien. Alors dans la pêche, il y a aussi des playboys. Tam, ta, tam, tam, tam. Alors ça c'est l'équipe des playboys. Ils s'attirent, hein, les playboys, hein, voilà. La brochette de Playboy. Monsieur Brouillon, est-ce que vous êtes motivé pour cet après-midi? Un peu plus que ce matin, parce que j'ai plus le temps de me préparer. Est-ce que t'aurais pas ma terre pour cet après-midi? Ah si, il faut que je t'en donne. Ah bah voilà. Eh ben, on va y aller. J'en ai pas bonné. Oui. Cette pêche. Bah la pêche, très très dure, mais je pense qu'on est qualifié. Ah, trop content. Trop content. Est-ce que t'as vu à quoi tu ressembles? Non. Eh, regarde. Ah ouais, d'accord. Eh oh, Saint-Lagarde, priez pour nous. Excuse-moi, Jérôme. Saint-Jérôme. Alors, vous voulez que je vous excuse de quoi? Saint-Jérôme. Et ta fiole de Macon. Eh, hey, Saint-Jérôme, comment on va? Vous pouvez le capot à l'air. On vous a laissé gagner. Vous avez pas compris, les vieux? Alors, on les a laminés, hein. Alors, Richard, qu'est-ce que t'as pris, Richard, sur ce magnifique secteur? Rien du tout? Capot aussi? Capot. Catastrophe. On est dans le même secteur. On est dans le même secteur. 12 sur 16. Dans notre secteur, il y a 12 capots sur 16. Il y a 1, 2, 3 qui prennent des poissons plus une ablette. Il a fallu prendre une petite ablette. Il y a 6 qualifiés.
pour le 28, je crois, 28 juin, 28-29. Non, mais. Merci. 28-29 mai à Saint-Florentin, chez nos amis du 89. Voilà. Donc, je vais vous donner le classement. S'il y a des équipes parmi les 6 premières qui veulent déclarer forfait, c'est le moment. Donc, on va commencer par les premiers. Hein. Donc, c'est Macompêche Compétition. Ah, putain, t'es retraité. Qu'est-ce qu'on vous a mis, hein? Oh, la branlée, ah, Jérôme, la branlée, la branlée, la gare, la branlée, Jérôme. Qu'est-ce qu'on vous a mis, hein? Oh, la branlée, ah, Jérôme, la branlée, la branlée, la gare, la branlée, Jérôme. Qu'est-ce qu'on vous a...